Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Indie49. Donc comme ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, j'ai vendu ma XSR700 pour des raisons personnelles. La famille s'est agrandie et donc voilà, je pouvais pas garder cette moto là. Mais je viens d'acheter cette nouvelle moto, une Surrun Lightbee X, que je vous présente tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Voilà, on arrive ici à Kiatbet. Ça. C'est sur Round Center et voilà, on va acheter donc deux sur Round. Voilà, on achète la sur Round. Gratuit, il va m'installer les protège-mains, les poignets que j'ai pu choisir. Ça y est, elles sont achetées. Elles sont achetées. Il n'y a plus qu'à les amener. Voilà. Donc voilà, on les charge sur la remorque. Vous voyez les deux bêtes. Donc voilà, les motos sont derrière. On rentre. On ramène les deux bébêtes là derrière. Voilà, petite vérification des sangles. Vérifier qu'il n'y a rien qui bouge. Vérifier que tout soit bien attaché. Qu'on ne perd pas une moto en route. Très bête hein. Donc voilà pour sur Run Center. Donc franchement un endroit génial, vraiment un super service. J'ai reçu pas mal de choses gratuites, donc comme les protège-mains, etc. Aussi une bombe de lubrifiant pour la moto. J'ai aussi eu un petit souci avec mon pneu avant où il y avait une punaise qui était dedans. Ils m'ont directement renvoyé une chambre à air gratuitement et tout ça. Donc franchement nickel. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous voulez tester ou acheter une Surrun. Franchement, ils sont top. Maintenant, présentation de la moto. Voilà, la Surrun Lightbee X. Donc X parce que au contrôleur, bon ici, on voit un X. Donc les modèles X qui ont une récupération d'énergie qui permet de récupérer un petit peu de batterie. Donc meilleure autonomie et meilleure performance également. Donc la moto, je l'ai achetée, donc là elle est d'origine, les pneus c'est ceux d'origine, etc. Ce qu'il y a de modifié, on va tout de suite voir ici. Donc à l'arrière, normalement, on a un garde-boue qui revient ici, où on met la plaque, les feux, les clignotants, et qui revient ici, mais en enduro, c'est pas du tout conseillé. Du coup, ce qu'ils font, là où je l'ai acheté, ils mettent tout de suite là, le feu arrière, avec les clignotants comme ça, qui ne ressortent pas, comme ça, en cas de chute. On casse pas les clignotants vu que ce sera protégé par la selle. Et donc ici on a les fixations pour remettre la plaque d'immatriculation comme ça. Ensuite on peut déjà voir ici les protège-mains et les poignets. Donc ça c'était offert avec la moto. Voilà, là ça va pas trop bien avec l'orange, mais je vais aussi changer l'équipe déco. Voilà, sinon que dire de plus, donc c'est immatriculable en 50 cm3. Voilà, mais c'est électrique, donc ça a du couple, ça a de la pêche. Voilà, donc niveau des commandes, du basique, hein, des clignotants, claque, un petit klaxon. Mode sport, mode normal. Mode sport donne plus de puissance. On a un petit compteur qui affiche juste le minimum, voilà. Donc poignée d'accélérateur, frein avant comme sur une moto. Et alors comme on n'a pas de boîte de vitesse ni d'embrayage ou quoi, le frein arrière se trouve ici à la main gauche. Donc voilà, donc en fait au pied, donc voilà, on peut voir, il n'y a rien au pied, aucune commande, juste les repose-pieds. Voilà, alors ici pratique aussi, on a un petit support USB, toujours sympa. Voilà l'emplacement pour la batterie qui est occupée à charger. Et voilà pour le tour de la moto. Donc voilà pour la présentation de la moto. Maintenant, je vais vous mettre quelques images de la première sortie que j'ai fait avec pour vous montrer le type de chemin qu'on peut prendre vraiment avec cette moto et comme quoi ça passe vraiment partout ou presque. Je
pochette. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Franchement, pour le référencement, c'est top. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux parcours, de nouveaux chemins, de nouvelles aventures avec cette Surrun Lite DX. Ciao, ride safe.